ils sont tous en moton, tu sais. Je sais pas pourquoi. Là, ils ont de la misère avec gérer leur espace, leur bulle. Robin m'a fait bobo ici. Moi, Robin, il m'a fait un bobo ici. Je veux rester avec papa et maman. Non, je veux pas. Tout le temps en train de se gosser, de se crier dessus. Oui, mais tu sais, moi, je vais être gênée. J'ai tout gêné. Il se lève, il décide qu'il s'en va voir son ami à la garderie et ses câlins morceurs. Il fait vraiment « Hey, vous êtes trop dans ce coin-là, va laver tes mains. » Tu sais, j'ai peur qu'il soit désagréable, adulte, là. J'avais ça, c'est pareil comme d'habitude. Tu vas le voir, tu lui dis « Moi, je m'appelle Asia, j'ai 5 ans, c'est... » « Ah, c'est toi, Robin! » »« Oui, c'est lui, Robin. » Tu sais, Marlo, il a croqué Yasmine, hein? Il l'a croqué. Puis finalement, la première journée, t'es allé voir tout le monde. Tous les enfants, les petits gars, les petites filles, les parents. Je le vois qu'il y a un niveau de compréhension déjà extraordinaire, mais... Ils testent plein d'affaires. Parce qu'on veut qu'ils s'aiment, puis qu'ils soient proches entre eux, puis qu'ils se respectent, puis qu'ils s'élèvent. Moi, j'avais peur qu'ils deviennent comme un bum, tu sais. Puis je me dis, t'identifies comme un bum à 200, c'est un peu tôt, tu sais. Tu regardes la maison, puis c'est genre, sérieux, genre, juste mets pas ça dans le nez de ton frère ou arrête de t'asseoir dans sa face. Faut que t'apprennes à les gérer, puis qu'ils apprennent à être des petits humains. Là, c'est fini la passe animale.